Alors vous voyez, la Pandarie, c'est quand même un pays très joli, hein. Ici, on voit des trucs briller au loin. Oups. On voit des statues qui étaient jolies avant d'être détruites. On voit des capitales. Voilà. Et, excusez-moi. Oups. J'ai retiré une glace entre tours. Et donc, on... On voit aussi des esprits en arène. Et donc, on va essayer toujours avec la même équipe. Voilà, assemble-moi ton propos. C'était pas très malin de faire ça, puisqu'on le gérer, lui. Mais c'est juste que je pensais à un peu. Mais là ça m'a pas l'air terrible. Voilà, je pensais. Ah non, un tour près ça passe pas. Donc non, on va devoir procéder différemment. Non, à une chose près que j'ai oublié de mettre, c'est ça. Non, en fait, non, c'est très bien ça. Alors, là, le but, ça va être de s'en prendre plein la gueule, puis de switch. On va voir, en fait. Cinquante-deux, merde. Bon, jusque là, ça se passe bien. Là, ça se passe pas bien. J'ai pas assez de PV. Je n'ai apparemment pas assez de PV. Assez de PV. C'est pas vrai. Ça se passe pas du tout bien. L'idée était bonne. Va faire un petit changement. Chanson en tête, pas s'en aller. Ça me semble plus normal. Non, ça marche pas.
parce que là il va me défoncer en deux coups. Bon, vu ce que j'ai mis dans la gueule, il peut me défoncer en deux coups. Parce que là, mais waouh, l'avantage précoce, là il a fait presque 1000 de dégâts. Hein. Ok, là évidemment on finit à la façon de Prominus. Un hurlement. Ah. Qui a fait double dégâts uniquement sur le Stone Rush. Bon, en tout cas ça a marché parfaitement. Il suffit entre guillemets de ne pas subir de critique. Seulement de ne pas subir de critique pendant 18 tours, ça veut dire que la RNG elle est pas de votre côté. Donc c'est une méthode qui est à revoir quand même. Quoique on a subi un coup critique, ça s'est passé. Hein. Bref. Enfin bon. Je trouve que c'est assez chaud, en tout cas sur la fin, pour le petit Chrominus. Malgré ses 1644 PV, il s'est quand même bien défoncé.